Assassin's Creed Syndicate. Combattez l'oppresseur. Eh bien, salut girls et boys, c'est Mr. Luffy BDG, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le 22ème épisode sur Assassin's Creed Syndicate. Excusez-moi, dans le dernier épisode, on a réussi à faire la mission qu'on avait échouée pendant l'épisode 20, et on a aussi réussi à éviter le vol de la Banque de l'Angleterre. Du coup c'est bon, on a réussi, c'était facile, Starik est encore dans les nerfs. Du coup on a fini aussi la séquence 6, du coup on va commencer la séquence 7, c'est parti. Avec la petite musique qui va avec. Monsieur Starik, hommes engagés, attaque demain, la mort de Disraeli repoussera s'inédier la loi sur la collusion. Gladstone sera nettement plus docile. Ah bon? Puisse le père, etc. Signé B. Ainsi, Starik se mêle aussi de politique. Je dois m'infiltrer au Sinopin Club afin de découvrir qui est ce B. Sois discret. Ce B? Je crois que c'était P qui l'avait dit. Discret. Ton grand numéro à la Banque d'Angleterre a failli faire s'effondrer la livre sterling. Je ne l'aurais jamais permis, ma chère sœur. Mais en parlant d'effondrement, qu'en est-il de cette clé qui n'ouvre rien? Henry est en train de l'étudier. Je suis sûr que nous trouverons la crypte. Ta confiance. Ok. J'ai bien fait d'attendre le prochain épisode pour passer cette... Oula, 1 et 2. Il joue le train du coup. C'est quoi ça? C'est quoi cette chose là? Premier GM. Les heures les plus sombres. Du coup le train il part par là. Attendez, cette mission je peux pas... La plus près d'ici c'est ça du coup. On va faire ça, on va aller là. Rocky niveau 7. Rocky niveau 7, ok, pas de problème, on va aller là. Et on va étirer là. Voilà. Pas compliqué, voilà. On commence bien cet épisode en se téléportant et en allant à notre première mission de la séquence 7. Je me demande combien il y aura de missions de la séquence 7. Tous on va le voir. Pour l'instant celle-ci c'est la première et on en aura une deuxième au-dessus. Plus loin. On va essayer avant de continuer à améliorer Arnaud pour qu'il soit niveau 6 ou 7. On va essayer. On va même essayer d'améliorer aussi Elvie ou Elvie. Evie, je sais plus comment ça s'appelle. A chaque fois j'oublie son nom. J'oublie pas le nom de Jacob. Ouais c'est bien Evie. Evie Fry, ouais, je me suis pas gouré. Oui, j'ai la boîte à côté de moi, du coup, si j'ai des pertes de mémoire, je peux toujours regarder derrière la boîte. Voilà, bon. Compétences, voyons voir. J'ai 5 points de compétences. C'est-à-dire que je peux en rajouter 2. Alors, on va rajouter 2 au tir. Voilà. 2 au poussement de calèche, parce que c'est trop badass. Voilà, on passe de niveau 5 à niveau 6. Déjà, on a déjà un level plus supérieur. Après, on attendra un peu. Compétences. Attends, j'ai encore d'améliorer des compétences. Voyons voir. J'ai amélioré les dernières compétences qu'il y a ici. Amélioration du gang. Ah ouais, j'ai presque jamais fait d'amélioration du gang. Voilà. On a les gros muscles maintenant. Allez, on va quand même un peu améliorer le gang. Parce que sinon on va jamais avancer. Bon bah j'ai plus de sous pour améliorer mes armures. Bon. Attendez, on peut pas améliorer. Non, il faut que je sois à terre pour faire ça. Voilà. Ok. Il commence déjà. Hop, 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 hop. Tac, tac. Hop. Droite, gauche. Même si c'est couteau. On va se faire la panse. On va se remplir des poches avec eux.
C'est pas ça que je voulais faire, mais bon. Allez, on va changer, on va mettre Evie. Evie Fry, voilà. Maintenant, on va aller améliorer Evie. Excusez-moi si cet épisode commence à aller avec les améliorations. Du coup, je vais améliorer ça aussi, vu que... Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer d'autre? Non, j'aime bien celui-là. Elle aussi, elle passe au niveau 6. Au moins, ils sont au même niveau, les chacun. Maintenant, on n'a plus qu'à améliorer. Fabrication, on peut plus faire fabrication, j'ai plus d'argent. Hop, hop. Hop, hop. Encore de la bataille. Hop. Hop. Merci. Vous avez rien pour moi? Ah si, il y en a au moins un qui a quelque chose pour moi. Ah, il y a trois en fait missions. J'ai pris laquelle moi? J'ai pris celle-ci qui était là-bas. Voilà, on va monter, on va faire un peu avec Evie. Attends, il y a pas une calèche au centre du poids du... Non, bon bah. Bonjour monsieur. Je dois emprunter votre carrosse. Non, saute pas de la calèche, non. Putain, j'appuie sur B sans faire exprès. Bon, elle avance tout seul du coup. Bon bah, je dois prendre la tienne maintenant. Désolé, monsieur. C'était pas prévu. Ah bah, elle s'est arrêtée en fait. Tant pis, c'est pas grave, on va continuer comme ça. J'espère que cette série quand même vous plaît, j'espère pour moi. Même si j'ai vu qu'il n'y en a pas beaucoup qui regardent les séries que je suis en train de faire. Je suis obligé de passer par là. Ouais, j'ai encore appuyé sur B sans faire exprès. Reviens là, reviens là, reviens là. Wall drift. Hop, on redescend. Ah, Pou, alors, qu'est-ce que t'as trouvé sur pour t'as trouvé quoi sur la clé? De toute façon, je sais pas si je vais jouer Evie ou Jacob. On verra dans cet épisode. Bah, plutôt dans cette mission. Vous voulez bien me rappeler où nous allons? J'ai trouvé une lettre du prince consort dans les papiers de Lucy Sorne. Elle porte le même emblème que votre clé. Et elle date de 1847. 1847? L'année même où le prince a lancé des rénovations à Buckingham Palace. Il fait bâtir une crypte pour le Sueur. Et comme aucun plan du palais ne fait mention de cette fameuse crypte secrète. Ouais. Votre Altesse, puis-je vous présenter Miss Evie Fry? Miss Fry, le Maharaja du Lip Sing. Un Maharaja. Un plaisir, Votre Altesse. Mon ami, les plans que vous cherchez ont été déplacés. Ah bon? Déplacés? Par qui? Crawford Starrick, ou l'un de ses employés. Putain, oui, encore. Que ce nom vous serait familier. Je sais où il se trouve. Mais ah. Il se Merci. Il en faudra plus pour m'arrêter. Je m'en doutais. Elle est pas polie en tout cas. J'espère que les vidéos sont pas décalées non plus. Sont maintenant, quand je suis lancé sur une série, j'arrête plus maintenant. Je préfère qu'elle soit plus arrêtée que voilà quoi. Nous aurons besoin d'un plan. Je peux m'arranger pour attirer l'attention des gardes pendant que vous entrez. Oh, vraiment? Pour vous, j'en serais ravi. Il est en train de la draguer là. Je trouverai quelqu'un qui saura où sont ces documents. Et nous nous retrouverons à bord du train.
Putain, ils sont en train de se... Il est en train de la draguer, mais... Ouais, elle est amoureuse. Je crois. Ou pas. Ok. Ah, l'autre il s'est retourné, l'enfoiré. Oula, sa tête, qu'est-ce qui arrive à sa tête? Voilà, déjà 2-1. Il est là-haut? Attends, c'est moi ou il applaudit? Voilà, caché. Il va se retourner, il va voir l'autre cadavre. Ah, j'aurais pu le tuer en fait, au lieu de me cacher. Ok, alors, tu le vois le cadavre ou pas? Ouf. Je lui ai balancé je sais pas combien de couteaux pour éviter qu'il parle. Non, mais pour pas le cadavre, je m'en fous du cadavre. Voilà, ouvrir. Ce n'est pas ça. Ok, j'ai un truc en plus. Ok, on va s'occuper. Coucou ma belle, tu me connais? Maintenant plus. Il veut qu'on le parle, ok. Mais bah, ok. Je t'avais même pas vu, toi. Faut que je parle à lui là. Oh, je suis tombé sur sa tête. Quel est le Alors? plan? À votre signal, j'attire les gardes. Puis j'utiliserai une bombe fumigène afin de m'enfuir. Et moi, je profiterai de la confusion. Prêt? Absolument. Faire diversion, ok. Voilà, et d'une. Hop. Voilà. Allez, retourne-toi. Oh! Ah la vache, super diversion, hein, mais voilà quoi. C'est quoi ça?
L'autre, le chat, il a même pas bougé d'ici. L'autre, il a vu tout le combat, il s'en fout, le chat. Regarde, il y en a un autre là-bas, il se dit... J'ai rien vu, rien entendu. Ok, il est à l'intérieur le prochain. Oh. Il est là-haut, l'autre. T'as pas le temps de tirer à l'air, t'es mort. Oh, non. Mais comme c'est toujours comme ça, c'est toujours le dernier que tu fais. Ouais, monte. C'est quoi cette lune? Elle est bizarre comme lune. Elle fait diversion. Et je veux tuer d'abord celui-là. Et hop. Tac tac. Hop. Voilà, tellement trop simple. Merci mon petit Apu, chéri. Allez, on va fouiller un peu ces gardes. Pour avoir un peu plus de stuff. On en a encore un. Ta gueule. Il y en avait encore un. Voilà. Fini. J'ai fouillé parce qu'il me faut des... du stuff. J'en ai pas tellement. Oula, lui, il a le coup... Ah ok, en fait, c'était une partie du... Rien ici, je vais devoir demander à quelqu'un où sont ses plans. Voilà, dis-moi où sont les plans. Enlever un templier proche. En fait, j'aurais pu l'enlever. Ça c'est fait. Et je veux enlever un templier. Et je crois que ce sera celui-là. Mais comment l'avoir sans me faire remarquer?
Oh, c'est mort. Ok, bon bah on va enlever celui qui est au-dessus. Oui, l'aigle, je t'ai entendu. Je vous le jure, Miss, je ne sais pas où on l'a emmené. Emmené qui? L'homme habillé comme vous. Les gardes l'ont attrapé. Henry, les plans que vous avez volés, où sont-ils? Je ne sais rien à ce sujet. Les plans, la mission. Merci pour tes infos. Et ils ont enlevé Apu, faut le sauver. Comment ils auraient pu l'enlever quand même? C'est pas possible. Allez, on va finir sur ça et après. À part si Apu il est de mèche avec eux. Putain, il y a plein. Allez, ah, les enfants. Vous êtes des orphelins de Clara? Ils ont capturé Monsieur Henry. On n'a rien pu faire. Mais quand même, j'en ai mordu un. Ils l'ont emmené dans une voiture rouge. Ils n'iront pas loin. Une des roues avait l'air prête à se détacher. Ça se voit sur les traces. Elles ne sont pas droites. Hop, hop, hop. Attendre ici. Ok, ok, il a fait une trajectoire là-bas. Je suis presque. Ok, c'est par là. Ah ouais, mais maintenant il y a deux traces. Ok. Je me rapproche. Ce chariot a été percuté. Ils doivent rouler vite. Ah, il est percuté, je crois que c'était celle-ci du coup. Putain, on va mettre une heure à chercher un pauvre chariot. Ta gueule, puis c'est tout. Non, on va aider lui. Ah, même elle. Allez les gars, si vous voulez m'aider, non? Ah, il y a du monde qui est tombé ici. Et il renverse aussi les gens. Du domaine public. Je suis sur la bonne piste. Putain, arrêtez de me poursuivre là. Oh, combat. Je
Hop. Et 2-2. Ah, il y a du monde ici. Hop. Hop. Putain, il y a du monde ici. Ah, je suis mort. Il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde. Comment je pouvais tous les tuer? J'ai réussi à en tuer pas mal quand même. C'était un beau combat quand même. Un très beau combat. Putain, c'était pas facile hein. J'aurais pu mettre de la vie mais j'ai oublié. Attendez, j'ai vu un truc. Non, c'est bon, j'ai cru qu'il y avait un doigt qui passait à travers sa cape. Comment j'étais poursuivi, pas je sais pas combien de mètres. Ok, bon, on va continuer, on va finir cette mission dans cet épisode quand même. Oui, je les ai vus traîner quelqu'un hors de la voiture après avoir perdu la roue. Qui s'était cogné. Je sais pas pourquoi ils l'ont emmené à l'église, mais c'est là qu'ils sont allés. Merci. Mais qui diable est-elle ? On va finir ça. Hop. Voilà. N'ayez pas peur, madame. Ah, dégage, salope. Laisse-moi faire mon travail. Alors, madame, qu'est-ce que vous avez à dire? Allez. Boum.
Oh, dans le trou. Le mec, il est à peine sorti du trou que je l'ai tué. Putain, ils sont pas tellement forts par rapport à ceux de tout à l'heure. Hein. Allez, on va fouiller. Les épisodes durent plus long que d'habitude, je m'excuse, mais je préfère finir mes missions à chaque fois que d'attendre le prochain épisode. Ouais, on a encore quelqu'un à parler. Bonjour. J'aurais juré que j'avais fermé cette porte. Elle est censée être fermée. Encore des gamins qui se sont amusés, sûrement. Ok. Bon, maintenant, on va rentrer dans le trou. Ça va mettre plus longtemps à mettre sur YouTube, mais voilà quoi. Peut-être vous la regarderez pas jusqu'au bout, mais... Moi je préfère terminer une mission que de l'arrêter. Comment Apu il aurait pu se faire attraper comme ça? Putain, retourne dans les égouts comme si c'était dans Assassin's Creed Unity. Ta gueule. Laisse-moi recharger mon arme. Hop. Putain. Il m'a entendu courir, du coup, c'est normal. Il n'y a plus personne jusqu'à là-bas. Voilà. Il est mort. On dirait. Bon, dégage, je vais ouvrir le coffre ici, comme ça je serai tranquille. Emric. Apu. Non, mais... Ça on s'en fout, lui je m'en fous de ce cadavre. Si tu veux, je peux même te tirer encore une balle dessus. Hop, voilà. Et il est encore vivant. J'ai envoyé quelqu'un chercher les plans de rénovation. Vous les avez. Ils vous ont fait mal? Tout va bien. Partons. Allez, on sauve d'ici avant qu'on se fasse repérer. Ah, il fait jour. Vas-y, on est descendu, il faisait nuit. Merde, il est parti par là. Putain, il est parti où, Apu? Ah, j'ai plus de vie, je me casse. Les tireurs là-haut. Oh putain, saloperie, va. Putain, il faut fuir la zone et en plus on est trop, ils sont trop. Ils sont trop nombreux. Comment on peut sortir de la zone s'ils sont trop nombreux? Ça se voit, ça commence à être la fin. Putain.
Ah, le déhanché. Tac, tada, tada. Oh, elle a un beau déhanché, hein, putain. Oh. Ta, 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 ta. Y'a pas à courir vite. Bon, on va recommencer, c'est pas grave. L'épisode durera 40 minutes. L'épisode le plus long de la série. Allez. Grâce à l'aide du... Essayons de rester en vie, Henry. C'est fait. Ah, j'ai eu un succès en plus. Prends-le et tape-le, mais fais quelque chose, putain. Voilà. Allez. Ok. Faut plus aider à poule là. Hop. J'aurais dû tuer tout le monde avant de venir ici. Bah j'avais tué tout le monde pourtant. Tu veux pas prendre une calèche, non? C'est trop difficile. Putain. Allez, ça va? Je dois trouver la crypte et le suaire avant Starik. Retournons voir le Maharaja. J'irai parler au Maharaja, aller faire examiner votre blessure. Je suis navré que ma capture ait contrarié vos plans. Vous seriez plus en sûreté dans le train. Même si vous trouvez la crypte, vous ne pouvez pas vous rendre seul à Buckingham Palace. Je ne serai pas seul. On se retrouvera dans le train, Monsieur Green. Monsieur Green. Monsieur Couleur. Du coup, j'ai réussi les deux trucs. Voilà, l'épisode aurait duré plus longtemps que prévu. Ça a duré plus de 40 minutes quand même. Allez, j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des j'aime et des commentaires comme d'habitude dans ces vidéos. Et on se retrouve bien sûr dans le prochain épisode. Allez, salut tout le monde!